Bonjour, chers étudiantes et étudiants. Dans cette capsule, je vous invite à reconnaître le principe fondamental de l'analyse combinatoire, et en particulier le principe multiplicatif. Rappelons tout d'abord le principe. Si par exemple un événement A peut se produire de n façon, un événement P peut se produire de n façon, et un événement C peut se produire de r façon, etc. Tous ces événements étant indépendants. Le nombre total des façons possibles est le produit du nombre de façons éventuelles de chaque événement, donc n fois m fois r, etc. Quand nous devons appliquer le principe multiplicatif? Le principe multiplicatif s'applique lorsque les possibilités offertes s'enchaînent les unes à la suite des autres pour créer l'événement complet. Il y a possibilité de choix, puis à ce niveau se présente encore une possibilité de choix, et ainsi de suite. Donc, j'utilise le principe multiplicatif lorsque je peux distinguer des étapes lors du dénombrement, ou quand l'ordre joue un rôle dans la situation de dénombrement. Exactement. Voyons-nous un petit exemple. J'ai un nombre limité de pièces vestimentaires dans mon placard. Je veux savoir combien de combinaisons je peux construire à partir de ces pièces, sachant que chaque combinaison sont constituées de trois pièces, un t-shirt, un pantalon et une spadrille. L'événement complet correspond à la construction d'une combinaison, alors quelles sont les étapes ou événements éventuels dans ce cas? Bon, évidemment, je mets mes vêtements, chaque pièce après l'autre. Donc, le choix de chaque pièce correspond à une étape éventuelle de choix. Voilà, alors, dans un premier coup, je dois choisir par exemple un t-shirt parmi mes trois t-shirts. Ensuite, avec chaque choix échéant de t-shirt, j'ai deux pantalons différents à choisir. Finalement, j'ai le choix entre quatre espadrilles. La première étape présente trois, la deuxième présente deux et la troisième présente quatre choix. Alors, d'après le principe multiplicatif, on a trois fois 2 fois 4 et ça fait 24. 24 combinaisons que je peux construire avec ce nombre de pièces vestimentaires. Dans ce qui vient, voici quelques exemples d'applications. Prenez votre temps et réfléchissez bien avant de donner la réponse. Application 1. Combien de codes à 4 digits je peux construire? Dans ce cas-là, il est clair que l'ordre est très important. Par exemple, 5043 est différente à 0534, par exemple. Et pour construire un code de 4 digits, on a 4 étapes. On doit choisir un digit. On a 10 choix entre 0 et 9 pour chacune des unités, les dizaines, les centaines et les milliers. Donc 10 choix pour chaque étape. Ainsi, on a 10 000 possibilités selon le principe multiplicatif. Application 2. Combien de codes à 4 digits? Aucun digit ne se répète. Ainsi, la situation est la même que la précédente, sauf que cette fois-ci, 10 choix on a pour le premier DG et que 9 choix pour le deuxième, car évidemment, on ne peut pas choisir le même DG déjà saisissé. Ensuite, on a seulement 8 choix pour le troisième, 2 parmi 10 déjà choisissés. Et finalement, que 7 choix pour le dernier digit. Ainsi, d'après le principe multiplicatif, on a 10 fois 9 fois 8 fois 7, ça égale à 5040 codes possibles. Application 3. Un parc d'attractions dispose de 5 ports. Combien de chemins possibles liant un port d'entrée à l'autre de sortie? À condition de ne pas entrer et sortir du même port. Voyons voir. Pour construire un chemin, dans ce cas-là, on a deux étapes. Le choix de l'entrée et ça se fait parmi 5 ports que dispose le parc. Ensuite, le choix de la sortie se fait parmi 4 ports en évitant le port utilisé pour l'entrée. Et bien sûr, d'après le principe multiplicatif, ça donne 5 fois 4,
Alors, 20 chemins. Application 4. Dans une classe de 36 élèves, dont 15 sont des filles et 21 des garçons, on veut élire un binôme composé d'une fille et un garçon. Combien y a-t-il alors de binômes possibles? Dans ce cas-là, on peut procéder via deux étapes. Le choix de la fille se fait parmi 15 et le choix du garçon se fait parmi 21. En appliquant le principe multiplicatif, on aura alors 15 fois 21 et ça fait 315 binômes possibles. Et voilà, c'est tout pour le principe fondamental de l'analyse combinatoire. J'espère que vous avez bien compris comment appliquer le principe multiplicatif. Sinon, vous pouvez toujours redémarrer la vidéo et faire pause à volonté. Essayez d'obtenir le meilleur score. Prenez bien votre temps avant de répondre et bon courage. À la prochaine.